Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment comprendre le calcul mental du jour. Pour cela, nous allons utiliser les cartons Montessori que vos enfants connaissent déjà. Donc, de ce côté-là, vous avez les dizaines. De ce côté-ci, les unités. Comment est-ce que ça fonctionne? Si je prends par exemple ce carton, il s'agit de 40. On a ici donc 4, le chiffre des dizaines, le chiffre des unités. Si je prends par exemple 43, quand je positionne mes cartons, je dois aligner la bande grise. Donc 43, on peut voir que c'est égal à 40 plus 3. Nous les avons déjà manipulés dans ce sens-là. Maintenant, nous allons voir comment les utiliser pour le calcul mental, la séance d'aujourd'hui. Le premier calcul était 30 plus 5. Je prends donc le carton 30, je prends le carton 5, je les positionne correctement pour obtenir le résultat. 30 plus 5, c'est donc égal à 35. Pour le deuxième calcul, il s'agissait de 60 plus 7. Je sélectionne le carton 60. Le carton 7 des unités, 60 plus 7 est égal à 67. De la même façon, pour 10 plus 2, 10 plus 2, j'obtiens 12. Ensuite, 40 plus 9, 40 plus 9, j'obtiens 49. J'obtiens 24. Et enfin, 50 plus 8, j'obtiens 58. Bonne journée !